Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content également de vous retrouver et je pense que le plaisir doit être partagé. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. J'en profite parce que ce midi je ne travaille pas, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. J'ai tout de suite pensé à vous, parce que ça fait quand même une petite semaine qu'on s'est pas vu, hein, voyez-vous. Oui, forcément, hein, je pense que vous êtes au courant que le couvre-feu a été reculé à 23h et à partir de ce dimanche, il n'y aura plus de couvre-feu du tout. Et ce qui fait que, on l'a un petit peu senti passer au restaurant, puisque vous êtes nombreux à venir manger au restaurant. Et ça nous fait très plaisir d'ailleurs de vous accueillir. Mais du coup, au lieu de finir un petit peu plus tôt grâce au couvre-feu de 21h, on finit un peu beaucoup plus tard. Donc comme mes journées sont relativement bien rythmées là, j'avoue que la fatigue étant, je pouvais pas vous faire de vidéo. J'étais trop cuit, en plus la chaleur c'est juste épouvantable, je sais pas vous de votre côté. Vous savez que la chaleur et moi on n'est pas très amis en plus, donc comment vous dire que là on tourne entre 30 et 35 degrés depuis une semaine avec des services qui sont complets à chaque fois, donc comment vous dire que... Mais bon, alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit quelque chose pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur et que j'ai découvert grâce à mon amie Laurence, à qui je fais un bisou si elle passe par là, que je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne. Il s'agit de Laurence Vim, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai découvert ce petit jeu qui, pour moi, vous allez le voir, est plus qu'un petit jeu. Donc je vais pas vous faire une review traditionnelle et classique parce que vous allez voir que les cartes, il n'y a pas grand chose à voir. C'est surtout en fait ce que le jeu va nous proposer qui, je trouve, est, alors c'est pas spécialement révolutionnaire, mais pour ceux qui voudraient apprendre la voie du tarot, apprendre les cartes du tarot, je trouve que c'est un support qui est merveilleux, honnêtement, hein, honnêtement et sincèrement. Vous allez le voir. Donc il s'agit d'un tout petit oracle, vous connaissez hein, ce genre de petit format. On a bien sûr toute la série de Graines d'Éden hein, qui nous a fait le petit oracle Grimoire de Magie, le petit oracle Victorien, le petit oracle de la Création. Vous en avez d'autres, hein, j'en ai des tonnes. Il y a les Alcors Toltec, il y a l'oracle des couleurs, il me semble, de Claire Duval et je crois que c'est de Célia, si je dis pas de bêtises. Bref, il en existe une multitude de petits oracles. Donc ce qui fait, qui dit petit oracle dit petit prix puisqu'on est au même prix que les petits oracles d'habitude, à savoir 13,90€. Et là pour le coup on va avoir 78 cartes, oui forcément, puisque il s'agit du petit oracle du tarot. Donc là on se dit qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a mélangé oracle et tarot, c'est pas du tout la même chose un oracle et un tarot. Eh bien oui et non, en fait les amis, eh bien donc ça vient des éditions Trédaniel, si je dis oui, édition Trédaniel, voilà. Et en fait Trédaniel nous offre ici un support qui est à la fois un oracle et un tarot. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, Jonathan? Comment est-ce qu'on peut faire un oracle du tarot? Eh bien, tout simplement, avec ce petit jeu, vous allez pouvoir vous passer des livres... Alors, oui et non, quand je dis ça, c'est à prendre avec des guillemets. Hein, quand je vous dis, vous allez pouvoir vous passer d'un livre qui traite des différentes lames du tarot, oui et non, parce que si vous voulez vraiment apprendre le tarot, avoir un bon livre à côté de soi, c'est quand même mieux. Mais pour ceux qui voudraient s'initier au tarot, ou pour ceux à qui ça semble un petit peu compliqué, la maîtrise des lames, apprendre les significations par cœur, parce que quelque part, on est un peu sur de l'apprentissage par cœur, hein, le tarot, malheureusement,
offre que peu de libre arbitre, on va dire, en termes d'intuition. Bien que si vous orientez sur des tarots type Rider-Waite, vous aurez un brin plus d'intuition pour interpréter les cartes que si vous partez sur un tarot de Marseille, qui, tarot de Marseille, je le rappelle, on va plutôt être sur des cartes type carte à jouer, c'est-à-dire l'as de bâton, c'est un bâton. Le 2 de bâton, il y a 2 bâtons. Donc concrètement, ça inspire pas grand-chose. Hein. Vous feriez de la cartomancie, ça ferait pareil. Donc c'est vrai que le tarot, c'est un sujet, et c'est souvent d'ailleurs qu'on me l'a demandé, et je vous ferai une batterie de vidéos sur l'initiation du tarot. C'est prévu, c'est juste le temps qui me manque en fait. Il y a plein de choses qui sont prévues, mais c'est le temps. Donc c'est prévu, vous inquiétez pas. Mais du coup, je me suis dit que ce petit jeu, il fallait le faire connaître parce que je le trouve vraiment bien fait. Alors vous verrez, je vais pas vous faire une review classique et traditionnelle en vous montrant chaque carte parce que bah, concrètement, les cartes, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Regardez, je vais vous montrer comment se forment les cartes. Donc on va avoir des petites cartes sur ce format-là. Et on va retrouver ici l'illustration d'une lame de tarot, le nom de la lame de tarot et en bas, ici, la description. Alors, description qui peut faire office, ce jeu, honnêtement, j'ai envie de dire qu'il peut faire office à la fois de support divinatoire, de support de guidance, mais aussi pour du travail d'introspection et du travail personnel. Franchement, pour 13,90€, j'ai envie de vous dire que vous avez un support qui est super bien fichu, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier, parce qu'il va pouvoir vous servir pour tout. Que vous soyez débutant, que vous soyez un petit peu plus expérimenté, que vous connaissiez le tarot, que vous ne connaissiez pas le tarot, peu importe. Là, pour le coup, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Tout le monde va pouvoir l'utiliser et vous n'avez surtout pas besoin de connaissance du tarot puisque tout sera sur la carte. Je vous montre le dos. On est sur un petit dos classique avec toutes les lames de tarot. Alors, il me semble que c'est un tarot de Marseille. Oui, c'est un tarot de Marseille pour les illustrations. Donc, comme vous en doutez, on va retrouver 78 cartes puisqu'on va retrouver le tarot complet. Ça va se présenter comme ceci dans... Hop, je suis en train de faire tomber toutes les cartes, bon c'est pas grave. Ça se présente comme ceci, donc dans un petit coffret, et ici vous avez une sorte de petite instruction pour vous dire comment utiliser l'oracle. Je vais vous le dire, hein, comment utiliser les cartes. Place ta main gauche au-dessus de l'oracle, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe, puis choisis intuitivement l'une des 78 lames. Quels enseignements tires-tu des messages de l'arcane? Comment comprendre le sens de ces guidances? Voilà, il n'y a pas de livret, il n'y a pas de guide. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a franchement pas besoin de guidebook puisque tout est sur les cartes. Hein. Donc on va retrouver nos arcanes majeurs, bien sûr. Hop, attendez, je fais le tri, le monde, voilà. Donc on va retrouver toutes les arcanes majeures du tarot. On va retrouver ensuite toutes les arcanes mineures du tarot. Donc je vous montre par exemple pour les arcanes mineures, on va pas être sur des illustrations type Rider-Waite. Regardez, par exemple, pour l'as de denier, c'est vraiment l'as de denier. Le 2 de denier, c'est un 2 de denier. Voilà, etc., etc. Donc, on n'est pas sur des illustrations type Rider-Waite. Et j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu, en fait, des illustrations. On a la carte, ça suffit, quoi. Après, ce qui compte, c'est le contenu. Et c'est ça qui va nous intéresser. Parce que, du coup, sur les cartes, on va avoir non seulement la description de la lame de tarot, mais en plus son message, à la fois, comment je pourrais vous dire, à la fois que vous pouvez interpréter en divination, en guidance et en travail perso. Je prends par exemple pour le mât. Donc le mât, c'est aussi le fou. Avancer un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Voilà, vous voyez, on a un petit message qui est clair et que du coup vous pouvez interpréter pour plein de choses. Imaginons, vous tiriez la carte du mât, eh bien on vous dit que peut-être aujourd'hui est le nouveau jour, une nouvelle étape, un nouveau voyage qui s'ouvre à vous, une nouvelle voie sur laquelle vous avancez, etc., etc. Et on vous demande ici d'avancer, de ne pas reculer, de ne pas vous retourner derrière, de faire fi du passé et de vous tourner résolument vers j'arrive plus à parler, vous le sentez là? Je suis un petit peu fatigué, que ma bouche elle est plus en adéquation avec le cerveau. On vous demande de faire fi du passé et de vous concentrer sur le présent et votre futur. Et donc pour toutes les cartes, on va retrouver ce système. Je prends, on va continuer, on va en faire 2-3.
Je prends par exemple pour le battleur, je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Là par exemple, moi, vous voyez, ici ça me fait penser au fait de prendre des décisions, de dominer un petit peu la situation, de ne pas avoir peur de prendre des décisions, etc. etc. Donc vous voyez, je trouve que le jeu est vraiment bien fait, il est bien pensé, il est bien conçu dans le sens où ça va vraiment être un outil. Donc pour ceux qui sont entre guillemets nuls dans le tarot, parce que je peux vous comprendre, c'est vrai que le tarot c'est un peu déstabilisant dans le sens où 78 cartes à apprendre par cœur, etc. Les combinaisons possibles, c'est vrai que le tarot c'est un gros pavé de la cartomancie. Mais en fin de compte, quand vous démystifiez, ce qu'il faut faire en fait pour maîtriser le tarot, enfin maîtriser est un bien grand mot parce qu'on ne maîtrise jamais à fond un jeu, un oracle, un tarot, peu importe. Mais ce que moi je pourrais vous conseiller en fait, c'est de vulgariser les choses. C'est-à-dire que en gros, déjà par exemple pour les arcanes mineures, vous pouvez vous dire que tout ce qui est denier, c'est en rapport avec l'argent et le financier. Voilà, la famille des deniers égale argent, finance, tout ce qui est concret, palpable, etc. Les épées, c'est tout ce qui va être action. Enfin, quand je dis action, c'est tout ce qui est conflit, dispute, tous les tensions, les combats à mener, etc., etc. Les bâtons, ça va être tout ce qui est lié aux actions du quotidien. Et puis, la famille des coupes, ça sera tout ce qui est lié aux sentiments, aux émotions. Donc déjà, quand vous avez vulgarisé ça, vous avez, j'ai envie de dire, bien dégrossi, puisque les quatre familles mineures, on sait que ça va être rattaché à des domaines particuliers de la vie. Et puis, les arcanes majeures, pour faire simple, c'est en fait un voyage initiatique. Donc, ça commence avec le fou pour la carte 0 et ça finit avec le monde. Et en gros, c'est un voyage initiatique qui reprend, on va dire, tout le déroulement de la vie entière. C'est-à-dire que le fou va représenter symboliquement le bébé qui naît, une nouvelle vie s'offre à lui, il va commencer à faire ses premiers pas, expérimenter, etc., etc. Et tout au fil de son voyage, il va rencontrer des personnes qui vont l'aider à grandir, à s'améliorer, à tirer des leçons, des enseignements, etc., etc. Pour finir sur le monde qui pourrait aussi symboliser le cycle du recommencement, hein, puisqu'on a l'ouroboros sur le monde, donc on a cette sensation de mort, de fin de vie, de fin de cycle, de fin d'apprentissage pour recommencer quelque chose de nouveau. Voilà, donc déjà quand vous avez dégrossi ces deux parties, arcane majeure, arcane mineure, eh ben j'ai envie de vous dire honnêtement que vous connaissez déjà 50% du tarot, puisqu'après on va être dans le détail de chaque lame, de chaque arcane, voyez. Donc c'est pas si difficile que ça en fin de compte. Mais du coup ce jeu peut être vraiment bien pour vous aider justement à mieux comprendre et à mieux maîtriser le tarot. Parce que croyez-moi que si vous connaissez déjà tout ce qu'il y aura sur les petites cartes là, eh ben sincèrement, vous connaîtrez déjà, on va dire, 98% du tarot, hein, sincèrement. Allez, on va s'en prendre une autre, par exemple, on va taper dans les arcanes mineurs. Ben, vous savez quoi, regardez, on va le mélanger et on va se faire un petit tirage. Alors, ce qui est bien avec ce type de format, c'est que, du coup, vous pouvez vous tirer une petite carte le matin pour avoir votre message, comme ça, une petite carte le soir aussi. Vous pouvez tirer quelques petites cartes pour compléter un tirage. Imaginons aussi, vous pouvez travailler avec votre tarot, c'est-à-dire que si vous avez un tarot que vous aimez particulièrement, eh bien, vous tirez votre tarot, il va aller se coucher, Jojo, parce que il sait plus faire les vidéos. Donc vous tirez votre tarot et puis vous prenez votre petit jeu à côté et vous allez chercher les lames que vous aurez tirées. Et comme ça vous aurez le petit message en fonction de chaque carte, vous n'aurez pas besoin de vous référer au livret, etc. Et ça peut être pas mal éventuellement pour travailler l'aspect intuitif du tarot. Et en même temps vous essayez de mémoriser les petits messages de chaque carte, hein, vous faites vos propres associations. Et vous verrez qu'au fur et à mesure plus vous pratiquerez, ça on le dit mais c'est vrai les amis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc plus vous pratiquerez le tarot et plus il y a des choses qui vont venir naturellement. C'est sûr que si vous pratiquez le tarot une fois par mois, voilà. Il faut au moins que vous le pratiquiez, j'ai envie de dire, une fois par semaine. Mais quand je dis pratiquer, c'est pas juste 5 minutes. Vous jetez pas juste des cartes comme ça, non. Vous dites, voilà, je me prends une bonne heure où je vais bosser mon tarot au calme, tranquille. Je me mets un petit fond de musique, une petite bougie, un petit bâton dansant, n'importe quoi. Je me conditionne, je travaille mon tarot et... Alors, ce que je vous conseille de faire, dans un premier temps, parce que je vois déjà vos commentaires arriver, Jojo, comment est-ce que je peux travailler le tarot? Alors moi, ce que je vous conseille
conseillerais, ce serait de ne pas chercher à sortir des messages prédictifs, parce qu'on peut faire du prédictif avec un tarot. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de travailler vraiment l'aspect introspection et éventuellement guidance. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile d'appréhender le tarot si vous commencez en travaillant sur vous avec le tarot que si vous cherchez à sortir des prédictions. Sincèrement, ce sera beaucoup plus difficile, vraiment. Donc, vous pensez à une situation, quelque chose qui vous préoccupe ou un problème que vous avez en vous, et là, vous posez par exemple trois cartes. Trois cartes qui pourraient symboliser passé, présent et futur. Et vous allez analyser, voilà, telle carte, alors telle carte, ça représente, je sais pas, telle carte, ce serait la mort pour le passé, le diable pour le présent et le fou pour le futur. Et bien, en gros, on vous fait comprendre que sur le passé et le présent, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler, etc., etc. Vous allez chercher les différents messages en rapport avec les deux cartes. Et on vous fait comprendre que sur le futur, il y a une évolution dans le sens où peut-être qu'il faut faire table rase de tout ce que vous avez appris, table rase du passé pour partir sur quelque chose de nouveau, faire un deuil, tourner une page, etc., etc., voyez. Et vous verrez que c'est du coup beaucoup plus facile de comprendre le tarot quand vous allez travailler sur vous-même que si vous jetez des cartes et vous dire bon alors qu'est-ce qui va arriver demain, alors le diable, la mort, ok, bon ben je sors pas de chez moi, vous voyez, ça, tout de suite, voilà. Non, vraiment, je vous conseille de travailler d'abord sur vous si vous voulez découvrir le tarot. Puis j'ai même envie de dire que le tarot, enfin, moi, je sais que personnellement, j'utilise pas le tarot à titre prédictif. Vraiment, c'est très 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 rare que j'utilise le tarot à titre prédictif. Moi, je trouve que le tarot, c'est un très bon outil pour le développement personnel et pour travailler justement tout l'aspect de guidance et pour comprendre parfois certaines choses. Parce que le tarot, il a cet aspect un petit peu immuable, un peu classique, avec des mots M-A-U-X qui parlent à tout le monde, qui sont vraiment le reflet eh bien, de l'homme dans sa globalité. Et je trouve qu'il est bien pour travailler l'aspect de guidance et l'introspection. Allez, on va se prendre, eh ben, vous savez quoi, on va se prendre ce que je viens de vous dire, à savoir trois cartes, une pour le passé, une pour le présent, une pour le futur. Attendez, si j'arrive à remettre les cartes dans le paquet. Voilà. Allez, on s'en prend une pour le passé, une pour le présent et une pour le futur. Allez, je vous invite à penser ou pas à une situation, à quelque chose, peu importe, et on y va pour le passé. Le passé, nous avons le 3 de denier. Humble et simple comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Eh bien, là, pour moi, vous voyez, cette carte me parle ici de quelque chose, on parle du passé, hein. Quelque chose que vous avez planté, quelque chose qui a germé. Vous ne pouvez pas encore le récolter, vous ne pouvez pas encore en savourer les fruits, mais vous pouvez déjà être fier de vous parce que vous avez eu la démarche de planter un petit quelque chose, de planter une petite graine, et cette petite graine, elle a prise. Alors, même si aujourd'hui, c'est pas encore un arbre qui vous fait plein de fruits, il y a déjà un petit quelque chose, voyez, et là on peut parler au sens métaphorique sur plein de choses, c'est-à-dire que si vous êtes dans une nouvelle relation, un nouveau travail, n'importe quoi de nouveau dans votre vie, eh bien ici on vous fait comprendre qu'il y a quelque chose, il y a une action, il y a quelque chose qui a germé, il y a quelque chose qui a pris. Donc maintenant ça va être à vous eh bien d'arroser, d'alimenter votre petite pousse. Si vous voulez que ça devienne un arbre, hein, si vous voulez que les choses puissent prospérer, ça va être à vous de fournir des efforts pour continuer à alimenter cette petite pousse. Et surtout, on vous dit ici d'être... moi, ce que je retiens le plus, c'est honore-la. Il y a vraiment un aspect d'être fier de vous. Soyez fier de vous, ce que vous avez fait, la petite graine que vous avez plantée, le petit travail que vous avez eu, la petite relation que vous venez de commencer, etc., etc. Certes, c'est pas grand-chose, mais c'est normal, c'est le début. Donc, laissez le temps au temps aussi. Laissez le temps de faire les choses. Ne soyez pas pressé. Mais pour moi, ici, il y a aussi une forme de récompense qui devrait venir normalement dans un futur avenir.
Nous avons, ah bah, pour la carte du présent, nous avons le mât, celui que je viens de vous tirer justement. Avancer un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel, mon chemin est tracé droit devant moi, je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Donc là, très concrètement, on est en train de vous dire, et c'est ce que je venais de vous dire en plus, de prendre le temps de faire les choses, d'y aller pas à pas. Si vous venez de commencer un nouveau travail, si vous venez de commencer un régime, si vous venez d'arrêter de fumer, si vous venez de commencer une nouvelle relation, si vous venez, je sais pas, d'emménager, ou si vous voulez déménager, ou ça peut être plein de choses, hein. Ne précipitez pas les choses, c'est pas la peine. En tant qu'être humain, on a aussi des limites, on a aussi certaines... on va dire certaines facultés, mais il arrive un moment aussi où ben on est limité, que ce soit physiquement, financièrement, énergétiquement, émotionnellement, tout ce qui finit en ment. Donc donnez-vous aussi le temps de faire les choses, ça sert à rien de vouloir précipiter, ça sert à rien de vouloir accélérer les choses. De toute façon, si vous voulez essayer d'accélérer, par exemple, on va reprendre la petite pousse là, qui a germé. Si c'est pas parce que vous allez l'arroser, que vous allez lui mettre 15 litres d'eau d'un coup, que demain vous allez avoir un arbre, non. Au contraire, vous allez juste faire pourrir votre la petite germe qui a poussé. Donc non, il faut y aller petit à petit, il faut alimenter les choses pas à pas, il faut y aller progressivement. C'est comme un enfant, quand il commence à marcher, on peut pas lui demander de faire du vélo tout de suite, hein. Il sait à peine tenir debout. Ben, c'est le même principe, l'homme, même si vous avez 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80, on continue toute notre vie à apprendre des choses et ça sert à rien de vouloir y aller trop vite. On le dit souvent ça, mais c'est vrai en fait, c'est la nature humaine d'être pressé, de vouloir toujours faire les choses vite. On le veut tout de suite parce que ben, on est un petit peu capricieux et qu'on prend les choses parfois un petit peu pour acquis, pour dû, etc. Donc du coup on veut pas attendre. Mais si, il y a des fois, il faut savoir attendre. Si on prend par exemple un processus de deuil, bah un deuil concrètement, si vous venez de perdre votre maman, votre papa, quelqu'un que vous aimez, vous pouvez pas juste, bon allez je pleure pendant une heure et c'est bon je l'oublie. Non, concrètement ça se passe pas comme ça, hein. Enfin sauf si vous avez cette capacité là, mais en général ça ne se passe pas comme ça. Et nous avons la Reine de bâton. Alors, la reine de bâton nous dit « Souveraine au centre du corps, la source d'une énergie immense te traverse. Ressens et accueille cette puissance créatrice en toi qui fait jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. Respire, reconnais tes désirs et honore ton énergie. » Vous avez vu là, on a trois cartes qui sont différentes et pourtant le message colle divinement bien, puisque la première, le 3 de denier, nous parlait d'une petite graine qui avait germé, et là justement on nous parle d'une graine qui va devenir un arbre. Donc voyez, en plus je venais de vous le dire qu'il y aurait une forme de récompense dans le temps. Donc là j'ai envie de vous dire que pour le futur les choses vont évoluer, les choses vont grandir, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Donc soit vous venez de démarrer un nouveau projet et c'est un projet qui deviendra, j'ai envie de dire, fertile, et du coup vous pourrez récolter tout ce que vous aurez mis dans ce projet. Soit ça va être cette nouvelle relation qui débute et qui pourrait aboutir sur quelque chose de bien concret, de bien réel, de fondé, et puis peut-être même fonder justement une famille. Ça peut nous parler d'un travail, d'un nouveau travail que vous venez de commencer et qui du coup pourrait perdurer dans le temps et vous apporter une certaine pérennité. Là vraiment on a cet aspect ici de à la fois réalisation, concrétisation et consécration. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qui, dans le passé, vous avez fait cette action, ça a germé, ça a pris. Maintenant, il va falloir avancer petit à petit et pas à pas avec ce projet, avec cette relation, avec cette situation. Et après, dans le temps, les choses vont grandir et les choses vont s'améliorer. Voilà donc, mes amis, pour ce petit tirage. Eh ben, j'avais envie de vous dire que c'est fort sympathique, et vous avez pu voir que il n'y a pas besoin d'apprendre le tarot, il n'y a pas besoin de le connaître, puisque, alors oui, certes, là, je connais mon tarot, mais ce que je veux dire, c'est que là, ce que je viens de vous interpréter, je l'ai vraiment fait, d'une part, à l'intuition par rapport au message qu'il y avait sur les cartes, je ne vous ai fait que lire ce qu'il y avait sur les cartes, et en faire ma propre interprétation. Donc, vous voyez que ce petit outil, vraiment, je trouve ça entre guillemets révolutionnaire, dans le sens où pour ceux qui ne voudraient pas apprendre le tarot mais qui aiment le tarot ou qui n'arrivent pas à mémoriser le tarot, etc., etc., et du coup qui se sentent un petit peu frustrés, et bien ça c'est vraiment le petit jeu qu'il vous faut. En plus j'ai envie de dire pour 14 €, franchement, hein, voilà, pour 14 € aujourd'hui vous avez quoi, vous avez une place de cinéma, hein.
Donc voilà donc pour mes chers amis, donc pour ce petit oracle du tarot, donc c'est de Marianne Costa aux éditions Très Daniel. Vous pouvez certainement trouver un petit peu partout, hein, Amazon, la Fnac, Cultura. Ce que je ferai, comme d'habitude, je vous mettrai les liens en description dans la barre d'infos pour avoir votre petit jeu. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une review classique puisque bah, je vous montre pas les cartes, hein, puisque c'est le même format. Regardez si j'en tire une complètement par hasard. Vous voyez, on va retrouver le nom de la carte, le texte en description et une petite illustration de la carte. Et on a ça pour les 78 cartes. Je vous ai pas montré, regardez, on a une petite tranche en vieil or qui est pas mal, ça apporte une petite touche, un petit peu ancienne, old school, et c'est pas mal du tout. Et l'avantage, c'est que c'est un petit oracle, ça prend pas de place, donc hop, vous pouvez le glisser dans le sac. Du coup, vous pouvez tirer vos cartes absolument n'importe où, que ce soit chez des amis, que ce soit vous êtes en train de vous balader, n'importe où. C'est quand même vachement pratique, la boîte en plus est rigide, donc vous pouvez la transporter sans aucun problème. Et puis voilà, et si je vous ai pas convaincu, ben moi je sais pas quoi vous dire, hein. Je sais pas quoi vous dire de plus. Allez, sur ce, je vous embrasse tous, et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochains coups de cœur. Prenez bien soin de vous.